avec Dominique Mélian, le Suzuki Endurance Racing Team, la Suzuki numéro 2. Et derrière nous, le four à pneus. Ça veut dire que ça va chauffer sur la piste cette année ? Eh oui, ça va chauffer dur. D'ailleurs, tu vois, tu as un petit peu les extraits de pneus, les pneus pluie, les mixtes, les slicks. Tu as tout ce qu'il faut pour que ça mène à bien une bonne compétition et une bonne course de 24 heures. Dominique Mélian, où en est la Suzuki GSX-R dernière génération ? On peut dire qu'il y a eu une année, je vais prendre toute l'année 2017, qui a été sans doute l'année plus que de la genèse, du début de développement. Et là, maintenant, pour cette première course de 2018, elle en est où ? Alors, elle en est dans une grande et pleine progression, puisqu'elle a vu le jour au Bol d'Or l'année dernière, qui était la première course de la saison. Et donc, on n'a pas passé l'hiver en se tournant les pouces, on a beaucoup travaillé. Alors, ça ne se voit pas trop, c'est la même moto, la robe est la même, mais l'intérieur a beaucoup été modifié, changé. On a touché beaucoup à l'électronique, des pièces moteurs aussi ont été changées au niveau des arbraquins et autres. Donc, beaucoup de choses, et on espère que ça va marcher. C'est un petit peu le fruit de l'hiver, de travailler, d'essayer de trouver des choses qui font progresser la moto. C'est pas facile. On va voir bientôt. Là, c'est dommage. Il fait un temps pas vraiment radieux, mais ça va se relever et après ça va aller.